Andrei Plenković est né le 8 avril 1970 à Zagreb. Il a 48 ans. Diplômé en droit de l'Université de Zagreb en 1993, il intègre l'année suivante l'administration du ministère des Affaires étrangères. Il occupe les fonctions de conseiller expert avec le grade de troisième secrétaire au département de l'intégration européenne. Il atteint le grade de deuxième secrétaire en 1995 quand il devient directeur de cabinet du vice-ministre des Affaires étrangères chargé de l'intégration européenne. En 2002, il réussit le passage de sa maîtrise en droit international, puis l'examen du barreau. Il devient alors avocat. Son idéologie est celle de son parti, l'Union démocratique croate, fondée en 1989, d'abord définie comme un parti de droite, inspiré par Margaret Thatcher. La seule idéologie officielle était la réconciliation nationale, une idée qui gagnait le soutien des Croates partisans comme de la droite extrémiste, se réclamant des oustachis. En pratique, cette idéologie justifia la réhabilitation ou informelle des oustachis et une justification implicite de leur idéologie. Ces tendances furent apaisées après la guerre et la HDZ devint un parti conservateur et chrétien-démocrate avec une dose de national-conservatisme. Le parti est affilié au niveau européen au Parti populaire européen, le PPE, et au niveau mondial à l'International démocrate centriste ainsi qu'à l'Union démocrate internationale.